Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitsur Shulchan Aruch de la Kut Yosef, dans Siman Kuf Mem Aleph, Dine Kore ou Makre. Okay? La lecture du Sefer Torah. En Tzibur Hashaim, la Anot Amen, Ad Shetichre Abraha Mipne Mipi Amevarech. Ve'en Akore Rashai, Nikro Ad Shichle Amen Mipi Atzibur. De répondre Amen jusqu'à que le chadir, celui-là qui dit, il monte au Sefer Torah. Il a dit, Baruchot Hashem Evoa, Baruchot Hashem, Elokei Hashem Baruch Haba, Mikol Amen. Quand il a fini sa bracha, on répond Amen. Et pas avant, combien de fois dans les Bates Knesset, on entend Amen, et on entend deux fois Amen. Amen de, avant, juste avant la bracha, et avant qu'il termine la bracha, et Amen après qu'il a terminé la bracha. Et c'est dommage, ça s'appelle Amen Yetoma. Hein, Rouven? Amen Yetoma, vas-y, Amen Yetoma. C'est un Amen qui est orphelin. Il n'a pas un Amen en vide. Il n'a pas le droit de répondre Amen dans le vide. Ve'en akore rachai likro, et celui qui lit le Sefer Torah, la montée, tant que Am Israël, le Tzibour, il termine de dire Amen, à savoir Ra. Minag, et le Minag, il est que le Chaliar Tzibour, lui, il répond Amen à haute voix. Pourquoi? Pour que tout le monde comprend que celui qui est monté au Sefer Torah, il a terminé la Beracha. Parce qu'il y en a des Chalas qui montent au Sefer Torah, ils font à voix basse. Puisqu'il faut à voix basse, on ne sait pas quand il a terminé. Alors, comment tu peux répondre Amen? Alors, le Chaliar Tzibour, lui, il est censé de dire Amen, d'accord, il a dit à haute voix, tout le monde en répond Amen. On verra maintenant qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il nous dit le Rav, Ve'atur ozen lishmoa et akriya, et comme ça, après que le Chaliar Tzibour, lui, il a dit Amen, alors tout le monde, ils vont écouter la kriya, la lecture, Ve'yafsik sad ben Amen et trilat akriya. Et le Chaliar Tzibour, lui, il va s'arrêter entre le Amen et de commencer la lecture. Ça veut dire comment ça se passe. Celui qui monte au Sefer Torah, par exemple, Kohen, Lévi, Israël, il monte, il fait la Bracha, Baruchat Hashem, Shabbat, Rabban, Mikol Amin, Mekoulé. Après qu'il a terminé, tout le monde, le Chaliar Tzibour lui dit Amen. Tout le monde, ils ont répondu Amen. Une petite réflexion, et il commence maintenant de lire la lecture dans la Torah. Acheresh medaber veno shomea. Yachol leshamesh keshaliar tzibur velikro b'Torah velashmia l'arabim. Top. Avant cela, on va faire la traduction. Yesh acheresh medaber, yesh acheresh sheno medaber. Ok. Hein? Un sourd. Ouais. Acheresh medaber, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sourd qui peut parler. Il n'est pas sourd, mais il est sourd. Il est sourd. Mais il peut parler. Il y a un sourd que lui, qu'il est sourd et muet. Amen. Et il y en a qui est sourd, mais avec il peut écouter avec un appareil. Il y en a trois. De nos jours, il y en a qui veulent dire que, puisque c'est une école spéciale, il y a des écoles spéciales, qu'ils apprennent aux sourds et muets ou aux sourds de communiquer. Et tout le problème, il s'appelle Hashu. Heresh Otebe Katan. Mazé Heresh Otebe Katan. Tout le Heresh que la Gemara elle parle, ça s'appelle un homme que lui qui n'entend pas et qui ne parle pas. Choté, c'est un homme qu'il est fou. Un Katan, c'est un petit, qu'il est moins que 13 ans. Alors, eux, on ne peut pas mettre sa réponse avec le Minyan. Il ne peut pas compléter le Minyan. Il ne peut pas être témoin, etc. etc. Il y a beaucoup de désaccords. Comment? Cause. Pas cause. Zimon. Non, il ne peut pas faire Zimon. Pourquoi? Parce qu'il ne l'écoute pas, il n'entend pas. On parle de Khéré Chotevekata. Petit.
Machin arrière, le petit, je ne dis pas maintenant au niveau du Zimoun. Au niveau du Zimoun, il y a des. Nous, les séfarades. Quand tu dis maintenant El Chot Zimoun, nous, les séfarades, on peut associer pour le troisième un katan. Katan, ça veut dire que moins que 13 ans. Ça veut dire que lui qui comprend, peut-être que lui qui comprend. S'il ne comprend pas, et... Alors maintenant, les Chachamim, ils ont mis ces trois personnages dans la même catégorie. Ça veut dire Cheresh, que lui, il n'entend pas, il ne parle pas. Choté, un homme qui est fou. Katan, c'est un petit. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas se rentrer, etc. Il ne peut pas être Mashlimignan. Maintenant, le Cheresh, avant, c'était une sorte de Cheresh que lui qui ne pouvait pas parler. Il y en a qui ne pouvaient pas parler, mais qui l'entendaient. Qui l'entendaient pas, excusez-moi. Maintenant qu'ils n'entendaient pas, il peut parler. Alors maintenant, puisqu'il y a des écoles aujourd'hui, tout le problème, il est que puisqu'il ne peut pas parler, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ruach memalela nafar be'apa. Akadosh Baruch Hu, quand lui l'a créé, il a donné, mis la neshama dans l'homme, elle dit la Torah, Ruach memalela, il a envoyé un souffle de parole. C'est-à-dire que le fait que l'homme, il parle, ça fait travailler le cerveau. L'homme qui ne parle pas, le cerveau il est fermé. Alors, c'est pour cela qu'avant, ils étaient considérés comme ceux-là qui sont fous, au même stade, au même niveau. Aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des gens qu'ils n'entendent pas, mais ils apprennent à parler, etc., etc., avec les lèvres, ou avec... manière que nous on connaît pas, okay. Mais là le cerveau il travaille, ils sont intelligents. Quand même le din il est pas, on verra est-ce que la halakha a changé ou elle a pas changé, on verra. Mais il faut savoir que aujourd'hui ils sont très très intelligents, même. Ils peuvent être même génies même. Il y a des gens qui sont génies parce qu'aujourd'hui Baruch Hashem il y a avec la technologie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils développent ce sourd et muet, ou que ce sourd qui n'est pas muet. Mais là, il y a une chéla, est-ce qu'on peut les mettre Tsarefotam et Minyan et tout cela? Sauf son darat, son intellect, il travaille. Son QI. Hein? Son QI. Comment? QI. QI. Quel? QI, comme tu dis. C'est ça. Non, Heresh Amedaber. Alors maintenant. Il me dit que là, Heresh Amedaber, un homme que lui qu'il est sourd et qu'il parle. Veno Shomea, c'est-à-dire que lui qui parle, il peut pas entendre. Quand même, il nous dit le Rav, Yechol le Shamesh que Shaliar Tzibur, il peut être Shaliar Tzibur, Velikro Batora, Velashmi al Arabim. Et faire entendre à tout le monde. Ça veut dire que lui, il sait parler, mais il n'entend pas. Là, il peut être Shaliar Tzibur, et quand Shaken, Heresh, plus fort raison, si maintenant, un qui est Heresh, c'est-à-dire qu'il est sourd, mais qu'il entend rien qu'avec une Marchir Shmia. Marchir Shmia, c'est un appareil auditif. Sheyechol likro batorah velosi et arabim yedei chavatam. Que il peut lire la Torah et il peut remplir les autres. Le Heresh est nommé Shomea ve nommé Daber, et celui-là qui n'entend pas, le sourd, que lui, qui n'entend pas, et il sait même pas parler, il peut même pas parler. El etzarfo la tzara kedel ikro batorah vivrachot. On n'a pas le droit de l'acheter minyan. Il m'a atteigné chez Sir Veroupo, à Zelonir Chav chez Sir Charles VII. Si on a 9, et lui c'est le 10e, il ne peut pas être associé c'est au. C'est comme si ils sont 9. Comme si ils sont 9. Et il dit ça fait que Bachot laquelle Va'afil ou Imou Lomed, le Betsefem Yuchad et Hashim. Il nous dit le Rav, même si maintenant il étudie dans une école spéciale pour les sourds et muets. Amaknim Dad Tamidehem. Que eux, qu'est-ce qu'ils font là-bas dans cette école-là? Ils donnent, ils transmettent dévoilent l'intellect. Aval Moutar, les Tsarfo, il me dit quand même. Regardez. Et que Moutar, les Tsarfo, les Minyan, le Markadish. Le Rav, il dit quand même, tu peux. Donc pour. Les mettre que. Droit, voilà. Non, mais pour Kadish, oui. Voilà, exactement.
Parce que dans la Sefer Torah, il faut écouter. Il faut parler, il faut dire. La lecture du Sefer Torah, puisqu'il n'entend pas, il ne peut pas être parmi les 10. Tu ne demandes pas au Sefer Torah. D'accord, mais pour la Shliminyan, pour Kaddish, oui. C'est compliqué à comprendre que pour Kaddish, oui, pour Sefer Torah, non. Tu m'aurais dit non pour Kaddish, j'aurais compris. Top. Chez Ola. Il suffit de répondre Amen. Il n'y a pas 10 qui répondent Amen. Il y a juste sa présence. Il est là, il ne peut pas dire. C'est Israël. Il n'écoute même pas. C'est pas moins que c'est pour ça qu'on dit que si un yachen, voilà. Un homme qui dort, on est médecin, photo les mignons, oui, alors il est comme un yachen. C'est fou, hein, c'est pour te dire que c'est la neshama qui compte, c'est la neshama. D'accord. Cheolam bet haknesset u gadol v'raha v'rotzim nashmi al tzibur kiyad haSefer Torah v'chazarat hashir al tzibur derech ha'kol b'yimot ha'kol יש להם על מה שיסמוכו ולהקל בזה במקום צורך. Ça veut dire quoi, Rav? Mechila, אבל ça veut dire quoi? Ça veut dire que la niyat amen est plus important que la niyat amen du Kaddish? Non. La kriyat haTorah est plus importante que la niyat amen? Non, parce que c'est la kriyat haTorah. Pourquoi on permet Kaddish, on permet pas ça? Parce que la kriyat haTorah, ça dépend de l'écoute. Si tu écoutes pas, tu pars en duquit. Mais là, tu as besoin que quelqu'un lui qui l'écoute. Mais là aussi, tu as besoin de répondre amen. T'as besoin de quelqu'un qui écoute. S'il y aurait une personne, tout le monde dort, il peut dire Kaddish alors. S'il y a 10 qui dorment sur une table, là il est tout seul. Il dit Kaddish, même si personne ne répond Amen. S'il y en a 9, il dort, mais lui le 10e, il doit dire Kaddish. Non, il ne peut pas dire Kaddish. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui l'écoute. Il y a au moins, il faut un minimum que 6 qui répondent. Ils répondent Amen. Le minimum qu'il y a 6 qui répondent Amen. Shulam bet haKnesset u gadol v'raha v'rotzim nashmia letzibur kriyat haTorah sefer haTorah v'chazarat hashliach tzibur bekol ram derech haramkol b'yimot haChol yesh lahem al ma sheyismochu v'la'akel bazeh b'mekom haTzorech v'shomim kriyat haTorah derech haramkol yotzim yedei chovatam ve'onim v'baruchu v'amen v'achar haberachot הנשמעים דרך הרמקול, ובפרט שהשליח הציבור מגביר את קולו, ויכולים לשמוע את הקריאה גם בלעדי הרמקול, שיוצאים ידי חובת הקריאה, אבל אין יוצאים ידי חובת בשמיעת קריאת התורה דרך הרדיו, כן יהודי לא רב. Quand le oulam בית הכנסת, quand le בית הכנסת, lui maintenant il est très immense, il est immense, il est grand, et on veut faire entendre, כן, au ציבור, קריאת התורה, et Chazarat, Hashaliach Tzibur, on parle maintenant quand c'est Chol, pas Shabbat. C'est sûr que Shabbat, ça commence même pas. Shabbat, on n'a pas le droit de mettre même un micro la veille de Shabbat. Et moi, je dis rien, moi, je fais rien. Moi, je dis maintenant, celui qui fait le travail. Et on n'a pas le droit de mettre minuterie. C'est un sourd. Seulement, quand c'est Chol, on lui dit le Rav. Et les gens, ils veulent faire entendre le Shaliach Tzibur à haute voix avec le rampol, avec le micro. Il dit le Rav. Yeshlem, ils ont sur qui s'appuyer. Quand vraiment ils ont le besoin, ils n'ont pas le choix. C'est un Beit HaKnesset qu'ils n'entendent rien. Si maintenant le bonhomme, il sera au bout de la Beit HaKnesset, il ne va pas entendre le Shaliach Tzibur. La plus forte raison, c'est un Shaliach Tzibur que lui, qui a la voix qui est très douce, très basse. Et celui qui l'entend, c'est un peu très délicat ce cas-là, très très délicat, je vais vous dire entre parenthèses. Et un homme que lui qui l'entend, et qui a la Torah avec le micro, il se rend quitte et ils peuvent répondre Baruchou et Amen après les Berachot, qu'on entend à travers du micro. Ou Mifat, Shachadia, Sibou, Magbirit, Kolo. A plus forte raison aussi maintenant, le Shaliach Tzibur lui dit à haute voix, okay, qu'on peut v'yecholim lishmoa et akriya gam biladei haramkol, on peut entendre la kriya, la lecture, excusez-moi, le son du Shaliach Tzibur avec le micro, okay, aval en yotzim yedei chovat v'shmiat kriyat haTorah derech haradio. Mais par contre, si c'est la radio, on n'a pas le droit de. On n'est pas rendu quitte quand on entend de la radio. Ça veut dire, quand la Beit HaKnesset
elle est grande, alors si tu as un micro, il y a un micro, c'est bon, tu peux te rendre quitte. Je vous dis entre parenthèses, il y a un problème dans cela, il y a des machloquets de poskim. Le rabbi dit on est rendu quitte. Il y a des poskim qui disent que si toi tu n'entends pas le shaliar tzibou, tu n'entends pas que lui, quand il lève sa voix sans le micro, c'est-à-dire sans le micro tu l'entends pas, rien qu'avec le micro tu veux l'entendre, il y a des poskim qui disent que tu n'es pas rendu quitte. Pourquoi? Tu n'as pas entendu, c'est pas lui qui parle. Alors il y a des poskim qui disent que non, on est oui rendu quitte parce que il faut savoir qu'à Alexandria, Alexandria de Mitzrayim en Égypte, il y avait trois étages, peut-être que c'était trois étages, immense elle était. Et les gens, comment ils répondaient Amen à la bracha? Alors il y avait des soudarim. Soudarim, ça veut dire des sortes de drapeaux. Si c'est le drapeau bleu, par exemple, c'est la première bracha. On est nada. Si là, alors il faisait le drapeau, tout le monde répondait Amen. Parce que tu n'as pas le droit de répondre Amen si tu ne sais pas la bracha. De quoi, de quelle bracha qu'on dit? Ok. Alors c'est pour cela, c'est conseillé le plus d'être dans une bêta knesset que tu entends le shaliar tzibou. Et de même s'il n'y a pas de rancol. Même s'il n'y a pas. Oui, on parle quand il n'y a pas de rancol, quand il n'y a pas de micro. Et même s'il y a le micro. Ils n'étaient pas rendus quitte de là, Alexandria. Alors il dit quoi, oui. Donc, de répondre à mettre, c'est un répondre à mettre, sauf. Non, mais vous avez ramené ça comme preuve pour dire que c'était pas top. Non, moi j'ai ramené ça pour te dire que oui, on peut répondre à mettre. Comme ça. Mais même que tu n'as pas entendu la bracha. Même que tu n'as pas entendu la bracha, tu peux répondre à mettre. Les poskim qui disent qu'on ne peut pas aller à quel. Parce que sauf, qu'est-ce que tu entends comme, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? C'est tu n'entends pas la voix du shaliar tzibou. La membrane. Tu entends la membrane. La membrane du shaliar tzibou, c'est-à-dire le micro, ça veut dire que le son, il rentre dans le micro. En fin de compte, ce n'est pas la voix du shaliar tzibou, c'est une voix qui est transmise, transformée par la membrane. La membrane. Ok. Shaliar tzibou, sheno nizar litvo l'kriyo. Ok. מותר לו לכתחילה לשמש כשליח ציבור לקריאת התורה לחזרת השליח ציבור. השליח ציבור כלמי, כלמי להביא במינן נדבך, זה... אוקיי, תשמיש. כן? כמובן כי זה טיפה, דבר יעלה או מקווה. כמובן כי זה כסי, סור בליג'ה זה יעלה או מקווה. זה לא להלכה. On n'est pas obligé d'y aller au mikvé, mais c'est conseillé d'y aller au mikvé. On parle, si un homme il a fait la mitzvah avec sa femme, ou un homme que lui, qu'il avait des mauvaises pensées, et il a vu le matin, eh ben, il doit y aller, et c'est bien d'y aller au mikvé. C'est bien. C'est conseillé. Mais si maintenant un homme il n'est pas parti au mikvé, lui, il monte chez l'Yartibou, il peut. Il dit moutar, l'olechatrila, a priori. Quel c'est moutard de monter et de être shaliar tzibou et de lire la Torah et le chazarat shaliar tzibou, la chazara aussi de l'armida à korei ba Torah v'ta'a v'pasuk shemuzkar bo shem Hashem yesh nagim lesayem likro et ha'pasuk kulo v'rak ha'rakar lachzor v'likro et ha'pasuk kulo mikol makom mitzad הדין, אפילו אם קרה חלק מהפסוק שיש בו הזכרת השם, את האב את העמים וכיוצא בזה, חוזר וקורא הפסוק כדת וכדין, וטעמיה ודקדוקיה, ואין בזה משום הזכרת שם שמיים למטלה. אמרו יהודי לאהב, הנום כלמי כאילו לתורה יסית חומפה, לא זה פסוק, כן, קריאה לנור ענק הקדוש ברוך הוא. הלא, יונה כסקיפון, יש נוהגים, de terminer tout le pasouk. Veragahaka, rien qu'après, parce que sauf, il a lu le pasouk, il y a le nom de Kadosh Baruch Hu, et il s'est trompé. Maintenant, il doit maintenant répéter. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vois combien de fois dans le Betaknes, Shaliar Tzibou, il y en a des jeunes, ils lisent, il Hachem, et il s'est trompé, il dit encore une fois Hachem. C'est faux, c'est pas bien. Dit Hachem, 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 Levatala. Tu veux te rattraper.
finis le pasouk. Après, quand tu as fini le pasouk, tu refais encore le pasouk. Ça, c'est la khatri, la fait pas comme ça. Et après, de répéter. Umikol makom, mitzadadin. D'après la halakha. Si maintenant, lui, il a lu rien qu'une partie du verset. Shiyeshboaz karat Hashem. Que y a là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Beta'a beta'ami mikayotse bazé. Il s'est trompé dans les ta'ami, par exemple. Il dit le rab, Hoser vekore apasuk adad vechadi beta'ami avetibukea. Il faut qu'il répète le pasuk comme il faut avec les ta'amim. Et il n'y a aucun problème au niveau de Shem Shamaim Levatala. Ça veut dire, si un homme, lui, vous savez qu'il y a une machloket au niveau de Azkarat Shem Hashem. Machloket, est-ce que de mentionner un nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Issur Torah ou c'est pas Issur Torah? Issur de Rabbana. La halakha, ils nous disent que Shem Hashem, c'est de Oraita, c'est de la Torah. Alors maintenant, aussi encore une autre machloket. Est-ce que quand on fait un pas, quand on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de dire le pasouk entier, ou de dire, on peut aussi dire la moitié d'un pasouk? Ça veut dire, si un homme, lui, il a dit la moitié d'un pasouk, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça ne se fait pas maintenant de Shem Shamaim Lachab, de sortir le nom d'Akadosh Baruch Hu, de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Là maintenant aussi, quand lui maintenant il lit le Sefer Torah, et au milieu du pasouk, il s'est trompé, que déjà il a dit déjà le nom d'Akadosh Baruch Hu. Selon la halakha, tu es censé de terminer tout le pasouk pour après te rattraper. Mais il nous dit le rab, si maintenant, même que tu es au milieu du pasouk, tu veux te rattraper, il nous dit le rab, selon la halakha, il n'y a aucun problème. Ok. Mais là, il y a deux inanimes. Il y a le fait de se tromper sur le pasouk, sur les mots. Ou dans les mots. Ou dans les tamim. Ou dans les tamim. Peu importe quand maintenant il s'est trompé. Alors, sauf. S'il se trouve au milieu du pasouk, est-ce qu'il doit répéter ou Akavana termine le pasouk et après tu relis le pasouk? Ou pas besoin. Directement après le mot, tu reprends. Non, pas après le mot. Non, est-ce que c'est une chéla? Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils finissent tout le passo qu'après ils reprennent tout le passo? Voilà. Il s'est trompé dans les mots. Voilà. Ou bien il peut reprendre juste après qu'il a dit le nom d'Hachem. Vous avez dit, il vaut mieux qu'ils reprennent tout le passo. Selon la halakha, c'est bien. Ah, bah si maintenant, un homme, lui, il a rattrapé le mot et il continue. Pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, il continue le passo. Ou, Ken, il était au milieu du passo. Il était au milieu. Est-ce qu'on lui dit, termine? Et après, tu reprends tout le pasouk? Ou non, reprends le demi-pasouk? Reprends tout le pasouk. Non, il dit le rab, tu peux. Tu peux aussi comme ça. Reprendre le demi-pasouk. Mais c'est mieux de reprendre. C'est bien de reprendre tout le pasouk. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi vous insistez quand vous dites c'est pas le nom d'Hachem qui s'est trompé? Tout dans le pasouk. Quand lui, il a dit un pasouk. Qu'il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'a pas terminé le pasouk, le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'il a mentionné, est-ce que ça s'appelle les Levatala ou non? Quand est-ce qu'il y a le droit de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu? Seulement quand tu dis un pasouk. Ouais. Mais si maintenant tu dis la moitié d'un pasouk, c'est moutable ou non? Alors, ça, ici, la discussion. Alors maintenant, oui, c'est moutable. Selon la halakha, oui, c'est moutable. Nous, les séfarades. Les Ashkenaz, non. C'est la moitié du pasouk, c'est moutable. Si tu dis la moitié de pasouk, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce pasouk, eh bien, c'est Mouta. Les Ashkenaz, non. C'est pour cela, il nous dit le Rav, si maintenant tu t'es trompé au milieu du pasouk, quand il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu peux te rattraper, même que c'est la moitié du pasouk. Très d'accord.